Salut les amis, c'est Tipi 14 avec Nico. Donc je sais plus comment ça s'appelle, ça fait désolé. X-Freestyle. X-Freestyle, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre le rail avec la trottinette Oxylo. Voilà. Donc sur le trottoir. Hein. Pour ça c'est le rail. Donc déjà, je vais vous faire voir jusqu'au bout. Donc là c'est un petit loupé hein, mais bon ça fait ça quand c'est neuf. Ah voilà, ça fait ça quand c'est neuf. Donc voilà, deuxième fois. Voilà donc ça c'est bon. Donc là je vais aller plus vite, je vais aller là-bas. Donc Thibaut, dis-nous un peu comment tu fais. Donc voilà, donc là j'arrive. Il saute et en fait il glisse tout simplement sur le trottoir. Ouais, avec ensuite le il ressaute et il se met ici. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, c'était la vidéo trot freestyle. Donc avec Titi. Voilà, Titi du 14, Kant 14. Et ici, donc bah moi, X Freestyle, donc avec Lucas sur le BMX. Et donc moi en train de filmer. Voilà. Donc on va vous montrer un petit peu plusieurs figures, hein, plusieurs figures de trottinette freestyle. Voilà. Je vais prendre l'élan là, je vais. Les amis, c'est X Freestyle et tous nos autres amis. Toute la clique, hein, Thibaut qui fait de la trotte aussi, qui là tout de suite gère le son. Ensuite, là on a Lucas sur le BMX. Voilà, et ensuite il y a moi, moi je suis en train de filmer. Hein. Donc, voilà, donc je vous présentais comment faire en trottinette freestyle le tail whip. Donc explique un peu ce que c'est, s'il te voilà, plaît. Bah, le tail whip en fait, c'est la figure qui font souvent ceux qui font de la trotte freestyle, c'est le deck qui tourne et qu'on reprend avec le pied. Voilà. Je vous montrais carrément comme ça donne quoi. Voilà, donc là c'est une réussite de Quentin. Donc voilà, donc Quentin aussi qui est un jeune youtubeur. Donc il a une chaîne à lui tout seul, donc c'est Kant 14. Voilà. Donc voilà, petite dédicace à lui, donc allez voir sa chaîne. Hein. Voilà. Donc là il va vous montrer des figures de base. Ouais, alors si j'ai réussi parce que je suis pas trop chaud, mais alors moi je me rappelle plus le titre, mais on dit 180 voire rien. Donc c'est ça. Et ensuite on retente tout. Okay. Je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà. Donc là il suffit de faire un saut et de tourner le deck. Voilà. Et le volant. Il enfin, y a un 180 à voir arrière. 180 tel whip, excuse-moi, mais j'y arrive pas. Hein. Je vais pas vous montrer. Parce que c'est comme ça. Là. Et puis, je vais reprendre le deck. Et j'y arrive pas. Voilà. Là, donc maintenant, essaye de faire un 180 sur le trottoir ici, s'il te plaît. Non, c'est un peu loupé. Bon, c'est une figure à travailler, hein, mais il va y arriver petit à petit. Voilà, sinon. Bon. Donc là, tout de suite, Thibaut va vous montrer des figures de base. Donc, il va vous montrer le saut à deux roues et sa figure préférée. Donc, je sais pas c'est laquelle, hein, mais il donc, me l'a dit. Voilà la trotte, donc c'est la trotte à mon cousin. Voilà, donc Quentin. Oxylo. Voilà. Donc, c'est la figure de base. Donc, c'est sauter normalement.
Voilà. Donc là, si vous ne savez pas faire ça, vous ne saurez pas faire les autres figures. Voilà. Donc là, en fait, il suffit de faire quoi? Explique un peu comment tu l'as fait. Alors, en premier, je roule, bien sûr. Ouais. Je me mets comme ça. Et puis, en fait, avec mon corps, je pousse vers le haut. Ouais. Je pousse vers le haut. Et tu tires le guidon évidemment en l'air, voilà. Donc ensuite il suffit d'un certain équilibre pour réussir les figures, voilà. Donc attendez, je vais faire une petite figure. Voilà. Donc là en fait ce qu'il veut faire c'est partir en arrière. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc c'était Thibaut, hein, donc merci pour cette figure de base. Salut à tous. Salut. Je vais vous leur montrer une deuxième fois.